Coup YouTube, on reprend Pokémon après avoir fait notre petite course à vélo. Je vais essayer d'en faire une autre en profitant de cette musique un petit peu écossaise sur les bords. Voilà. C'est parti. Ah que miam! Oh, Mangousse Nordique, salut! Tu as mangé mes frites. Arrêtez de dire ça. Hop! Ah, je peux changer ma tenue de vélo. Donc, je vais changer ma tenue de vélo. Super idée, tu portais une couleur assortie à ton Léon. Que dirais-tu de la couleur de type O? Oui, type O. Merci. Super. Maintenant on est bleu. T'as vu ça va? Ça tombe bien, Loco, demander si t'étais là. Oh, il est mignon lui. C'est quoi ce truc-là? Un ours avec une grosse goutte dans le nez. J'écris trop vite. Comment ça se passe ce soir? Ce soir c'est tranquille. On a une autre badge, feu. On a attrapé quelques Pokémon. Là on va à la prochaine ville et on stoppera pour la journée sur Pokémon là-dessus. On va peut-être faire un peu de Cuphead après. Voilà pour le programme. Sinon, on a quoi? Tout le monde est un peu parti. Il y a Kefren qui est parti, mais enfin, il y a eu de l'ambiance tout à l'heure. C'était cool. Alors, je vais direct l'attraper. Alors, le lien YouTube il marche, le lien Twitter il marche pas, le lien Instagram marche pas. Et je sais pourquoi. Ok. C'est bon, je vais réparer le bot. Maintenant, je sais pourquoi il marche pas les liens. Alors. Hop, pardon. Je fais vite. C'est promis. J'arrive. Le combat. Attends. Pokéball. Utiliser. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Là, les liens marcheront. C'est pas qu'elle vient plus, le loco, c'est que vous vous croisez à chaque fois, je pense. Mais j'y suis toujours comme d'hab, alors que des fois, je fais autre chose aussi, mais je suis là. Toujours en retard, ça c'est sûr. C'est pas toujours en retard, tu travailles, c'est normal. Polarume, d'accord. On va pas le renommer. Cool, un nouveau Pokémon. Attendez, lui on l'a pas. Ah. Tu as mis la virgule. Quoi? Tu parles à qui, Loco? Pour le lien, la virgule, ouais, je pense que c'est la virgule qui bloque et l'accolade au-dessus. Mais ça, c'est bon, je viens de les enlever. Non, moi, j'en souvent et je te vois plus. On alterne. Oui, vous alternez, voilà. Loco et Mangousse Nordique, c'est un peu l'alternateur de ce live. C'est une moustache alternative. Bon, j'arrête mes blagues. Hop, c'est bon, on remplit le Pokédex. Ça va vite, c'est cool. Allez, allons chercher ce quatrième badge. Qu'est-ce qu'il est rigolo celui-là. Je me souviens plus qu'un dans quelle saison je l'ai vu lui. Ah, qui c'est qui a regardé le premier épisode de la nouvelle saison Pokémon? Je l'ai pas encore regardé moi perso, mais j'ai hâte de le voir. Et justement, c'est la première saison qui a un rapport avec le jeu. Enfin, qui se passe dans le monde de Galar. J'aimerais bien savoir si ça vaut le coup ou pas. Alors, on a encore des monsieur rhumes. Ok, panda machin. Ok, voilà. Oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Un Pokémon que j'ai pas. Pas du tout, mais en tout cas, désolé. Pas de soucis, il est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. Pas encore, yes. Balbuto. Faudrait que je le regarde. Hein. Alors je demande à Sané si elle veut le voir avec moi. Le premier épisode de la nouvelle saison de Pokémon.
Non, a priori, ça n'intéresse pas. on l'a déjà, donc je vais l'attaquer. Ah, mais ça, faut le regarder à Noël. La cité de la peur. Y a Mangousse Nordique qui dit coucou Sanae. Salut Mangousse. Je sais pas s'ils t'entendent. Chaton, j'ai eu une alerte pendant qu'il pleuvait des cordes à cause de quoi? De la buée. Ah, pour les voitures, c'est peut-être important. J'ai stressé. Oh mon dieu. T'as la buée, la, c'est la buée parce que. Est-ce que tu portes des lunettes? Parce que quand tu portes des lunettes, la buée, c'est très embêtant. Ah ouais, mais carrément. Voilà, moi, je. Tu me rends triste. Pourquoi? Mais non. Loco, voyons. Tu... Elle te rend pas triste. On est que 3? Pourquoi? Non, on est 4. Ah, monsieur Moustache, il dit n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. On va avoir notre petit Pokémon. Oh! Oh! Évolution! Ah, cool. On a une évolution pour cet épisode. Enfin. Je le laisse évoluer. Hein. Vous allez voir comment il est... Regardez-moi ça, c'est ridicule. Après, Emo, il devient... Je sais pas, on dirait un mec de la Fashion Week. Les Argus. Franchement, il ressemble à rien, non? Hein, loco? Pour moi, c'est un Emo métrosexuel. Ouais, c'est ça. Mais il ressemble tellement aux mecs qui sont habillés n'importe comment à la Fashion Week dans la rue. En, les mecs un peu métrosexuels, tout ça. Surtout dans le marais, tu vois, t'en croises pas mal. Bon, c'est pas grave. Écoutez, tant qu'il est costaud, c'est ce qui compte. Ne le jugeons pas à son apparence. Jugeons-le à sa paire de... Voilà, cacahuètes. Ah. Alors, les Argus. Bon, au moins, il aura évolué, comme ça c'est fait, on se posera plus de questions. Et si on veut changer de Pokémon d'eau après, on pourra. Genre par exemple, pourquoi pas prendre un Tentacool pour le faire évoluer en Tentacruel. Attends. Ah non, je trompe, c'est dans... Tir de précision, on va voir ce que ça donne. C'est dans Let's Go que j'ai attrapé un Tentacruel récemment. Alors, 80... Puis précision 100, oui, bon d'accord. Alors, le sort parvient toujours à viser la cible voulue en ignorant l'effet, les talents, les capacités. Oh, c'est cool ça. Bah, concrètement, ça va remplacer pistolet à eau, quoi. C'est tout. Ben ouais. Y'a pas photo. Une attaque qui rate jamais, on la rend tout direct. Attendez. Hop. Je me mets droit. Ah, et c'est lui que je voulais au final, hein, depuis tout à l'heure. Pam, pam, padam, pam, pam. Oh. Oh, la petite arrivée avec son petit pas de danse qui sert à rien parce qu'on va juste attraper le Pokémon. Mais au moins, on aura réussi à arriver au moins avec un Pokémon niveau 35, c'est bien. Ouais, Ninjask, attrapé. Putain, ça fait du bien les attraper tous là. Yo. Yo. Kinou ne vient plus sur les lives, Loco se fait du souci, il pleure, elle ne vient pas quand elle vient, elle lui dit qu'elle était là tout le temps, elle s'en fichait, le cœur sensible, Loco pleure. Salut Justin Sane, bienvenue à toi sur le live. Chaîne de chaton a perdu moins 100 points. Ouais, mais c'est moins 100 points très joli que t'as utilisé, fan de chaton. Ton message, et tu devrais faire un drama ou un truc comme ça. Tu devrais écrire, hein, Loco, franchement. Il y a du potentiel. Ah non, je veux pas le renommer. Bienvenue à toi, Genesis Sane, comment vas-tu? Je crois que c'est la première fois que je te vois, à moins que tu sois arrivé avec... avec un streamer récemment. Une fanfiction, merci Mangousse Nordique, c'est ce que je cherchais. Et elle ne prend pas ça au sérieux. Bien et toi? Je vais très bien, je vais très bien. Hop là. On avance bien dans le jeu, donc c'est cool.
Et là, je remplis un peu le Pokédex avant d'aller à la prochaine ville. Pam pam palam pam pam. Ok, X. Tup tup. Hein, Loco, tu pourrais nous faire une fanfiction avec Mangousse nordique. Bah tu connais les fanfictions. Super potion. Hop. Putain, son attaque là. Oh, ça va. Je veux un low class G-Max. Ah, ça serait la classe. C'est quoi G-Max? C'est en... C'est quand tu les as dans les... Dans les mondes Z, là, dans les mondes... Dans les grottes. Je suis débutant sur le jeu, j'ai une Tinsei, donc je connais pas encore toutes les subtilités. Quoi, il s'enfonce un clou et ça m'en enfonce un aussi, c'est ça? Non, mais... Aïe, aïe, aïe. Ah, je veux un Loclass. Ah oui, Loclass, c'est un bon Pokémon. Ce serait cool, ouais. Pourquoi pas? Comment cela se passerait-ce? Just insane. Oui, oui, j'avais pas, j'avais mal lu, je suis désolé. Ah, punaise. Meilleur avec sa malédiction. Mais là, je devrais pouvoir relancer une balle. L'exposé que j'ai à faire sur le deuxième trimestre est chargé. J'ai une moyenne de 18 à préserver. Évidemment, Loco, il faut que tu la préserves. Tu as le... Je suis online là, en ce moment, juste une série. Tu es toujours trop vite, chaton. Bah ouais, mais bon, comme je suis en train de faire autre chose en même temps, Mangousse Nordique, des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut pas m'en vouloir. Et puis, tu sais, il y a mon petit côté dyslexique aussi qui fait que... Voilà. Mais au moins, ça m'entraînait à lire, tu vois, de lire le chat. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense que je m'améliore. Je crois. J'espère. J'en rêve encore. Hop. Donc oui, j'ai le online. Pour répondre à ta question. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai vu arriver. Il était trop tard. Comment ça marche? Oui, montée de singe. Hop. Est-ce que je continue d'attraper les Pokémon que j'ai pas? Oui. Tu fais Y? Oui, d'accord. Attends. Attends. J'ai... Ah, zut. On va regarder ça. Mais qu'est-ce que tu vas me faire faire, Just Insane? Un échange, un combat, aller à un raid. Quel est l'objectif? Comment ça va se passer? Pas fait grand chose pour avoir cette moyenne. C'est vrai? Un échange? Un échange contre quoi? C'est ça qui m'inquiète. Tu me le donnes? On peut faire ça? Mince alors. Ah! Après, il s'est passé quoi? Tap tap. T'en as trop, c'est ça? C'est rigolo. Ce que tu veux. Bah. Si tu me le donnes, je te donnerai un Pokémon que j'ai en double. J'en ai pas beaucoup en double. Mais... Ok. On peut essayer, j'ai jamais fait encore. Ça peut être une expérience intéressante. Rafale Psy. Il... Ah, t'en as 6. Ah ouais, je me disais. Oui, effectivement, t'en as beaucoup. Mais t'es très généreux de ta part, Just Insane. Allons essayer ça. Attends. Je termine juste ça. Et ben c'est un nouveau, a priori. Tout simplement. Loco. Ouais. Ok.
Non. Voilà, il a l'air costaud celui-là de Pokémon, non? Alors attendez, on va regarder ça avec Justine Sen qui nous propose de nous échanger un Pokémon gratos. Pourquoi dirions-nous non? C'est quoi, c'est échange magique ou échange réseau? Non, échange magique, je crois. Échange de cartes, combat réseau, profil, sticker. C'est des stickers. Réseau. Échanger, j'imagine. Ah! Avec un code. Attends. Ah, raté. Oui. Non. Non, 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 non. Oui. Ok, j'ai annulé l'autre. Avec un mot de passe. Si vous saisissez un mot de passe, seul joueur utilisant le même mot de passe. Ok. Aura 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ah, c'est tout. Bon, bah voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, juste insane, le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Ils auraient pu faire plus compliqué quand même. Les échanges, ça ouvre de nouveaux horizons, vous devriez essayer. Je suis en train d'essayer, monsieur Réseau. Sandraco, de quoi? On fait un échange avec... Avec Justin Tsai, a priori, qui nous offre un Locklass. Pour compléter le Pokédex. Coucou, what the fuck? Ça va? Faut arrêter de squatter le compte de Atmos, hein, tu sais. Ah, ça y est, les liens, ils fonctionnent ou pas là? 1, 2, 3. Oui, tous les liens fonctionnent. N'hésitez pas à follow la chaîne, tant qu'à faire. D'ailleurs, Justin Sane, je crois que c'est la première fois qu'on soit. Par contre, Justin Sane, si ça prend trop de temps, je vais devoir arrêter parce que je suis en pleine. On est en let's play quand même. Le but, c'est de play. C'est parce que c'est moi qui allume le live. Oui, je sais. Et c'est Atmos qui cuisine. C'est bien. C'est ma mission. Eh, c'est ta mission et tu l'as acceptée. Exactement. Voilà. Non, mais je sais maintenant. Je comprends très bien. Il y a quoi au menu ce soir? Ah, bonne question. Chacun sa tâche. Spam A? Ah, pardon. Excuse-moi, j'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur A, juste insane. Tout, 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 tout. Un jour, tu vas trouver sur son historique des trucs. Des trucs? Paupiette de veau et je sais pas quoi, et cherche une recette. Hein? Paupiette de veau, c'est bon ça. Il est bon ton Chegg? C'est quoi ton Chegg? Punani. Non, raté Sandraco. Ah, ton chef. Je peux faire des combats pendant que ça charge là? Hein? Oh, je l'ai déjà lui. Attends. Est-ce que je l'ai lui? Oh, on peut attraper un Poissirène. On change de code des gens sur le 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Oui, normal. Tu me diras, c'est normal qu'il y ait des gens. Donc j'annule. Partiel d'HTML CSS aujourd'hui? Sérieux, c'est vrai? Je me demande vraiment à quoi ça ressemble un partiel d'HTML CSS. Ça m'intéresserait beaucoup que si jamais t'as le double, tu me l'envoies. Neuf, neuf, trois, neuf. Ok. 9, 9, 3, 9. Paf. Bon.
Et si t'as les copies de ton MDR, il nous a donné un HTML avec une mise en page à faire en touchant uniquement au CSS. Ça t'intéresserait qu'on le fasse en live, ton exercice, what the fuck? Un de ces quatre? Alors petit panda! Non, c'est un petit nounours qui me suit, regarde! On attend le online. Il reste 20 minutes, ça va, c'est bon, on est large pour cet épisode. On avait le droit à internet en plus. Bah oui, normal. Tu connais pas le CSS par cœur. Bon, le HTML, j'imagine que oui, mais... J'ai laissé sur mon espace de travail à l'UT, mais je peux demander à ce qu'on me le sorte pour mardi, oui. Pas spécialement pour mardi, c'est pas obligatoire. Mardi, on va continuer ce qu'on a commencé. Mais pour un de ces quatre, ouais. Tu vois ce que... Ou pour un mardi aussi, ça peut être drôle. En fait, je suis en train de me dire. J'y vais des os, tu me dis quand que pèse, j'essaie de revenir pour ça. Pas de soucis, Loco, à tout à l'heure. Ne sois pas désolé. Toi, on nos vies. Après, j'ai surtout envie de voir l'exercice que vous aviez parce que... Ok, je te le sortirai moi-même avec ma réponse quand j'y retournerai alors. Ouais, carrément, ça peut être encore mieux. J'ai envie de voir ça, c'est de la curiosité, tu vois. De voir un peu ce que les professeurs sont capables de donner dans ces écoles comme exercice sur ce truc-là. Sachant que moi, c'est le genre de choses que je fais depuis des années. Où je suis pas du tout dans le même domaine, enfin dans la même pratique, tu vois, je suis pas scolaire du tout. Du coup, j'ai envie de voir ce que c'est un exercice scolaire de ce niveau. Chaton corrige vos devoirs de code. C'est pas des codes, c'est du CSS, c'est pas vrai, c'est de la mise en page. C'est pour ça, c'est drôle. En vrai, je trouve que les exercices de ce prof sont bien. Ah, c'est bien ça. Tant mieux. En vrai, les exercices de pratique, je trouve ça bien aussi. Je pense que j'aurais fait pareil que lui, hein. Je vous aurais donné un... À quelle heure que pète, du coup Bah compte une heure, une petite heure, Loco. Dans une petite heure, donc 22 heures. Votre équipe a gagné les points sur peut-être un petit peu avant. Je te bip sur Discord, Loco. Mais les empêches qu'ils donnent à faire sont pétés, mais giga moche. Ouais, mais ça c'est parce qu'il vous donne quelque chose de facile, du coup. C'est pour ça. Attendez. Ça recherche encore, hein, mon ami. Juste insane. Attends, j'avais pas vu ton message. Mais je trouve que le concept est intéressant parce que ça me force à utiliser les sélecteurs plutôt que simplement de créer une div. Ou tu me fais peur, what the fuck, quand tu marques ça. Alors, j'ai raté les messages de Justinsane plus haut. Un level 60, 50 ou 40. Comme tu veux, Justinsane. Pour le level, comme tu veux. Oh, mais tu as fait un combat. Oui, mais tu as fait un combat. Ah, d'accord. À cause du combat, ça a annulé. Pourquoi? Ben, on travaille toujours avec des sélecteurs et des classes... What the fuck, justement, c'est vachement important en fait. Il y a un ordre. Il y a des, en fait, si tu veux, il y a des points que tu donnes dès que tu choisis des ID et les classes. Mais un de ces cas, je t'apprendrai ça. Enfin, si tu dois savoir, tu dois déjà le savoir. T'as forcément appris ça. Pam pam pam. Je savais pas si je pouvais faire un combat. Et là, je suis hors combat du coup. Je trouve que first all type, etc., on l'utilise pas souvent instinctivement. De quoi tu me parles? Attends. First of type? Ben si, bien sûr que si, on l'utilise souvent. C'est juste que tu as une utilisation du CSS basique. Relance! Ah, raté. Décidément.
Alors, est-ce que cet échange réseau va-t-il fonctionner? C'est toujours le même code? Oh, j'ai fait une erreur. Oui, je me souviens du mot de passe, merci Justin. C'est le même, d'accord. Bon, parfait. Bah, un petit ID et c'est réglé en vrai. Pas du tout, pas du tout, surtout pas. Les ID, c'est très lourd. Ça consomme beaucoup. Et en plus de ça, ça t'évite de... Ça t'empêche de faire du code réutilisable en CSS. Donc tu fais pas de module, de... Enfin, voilà. C'est très très mauvaise idée. Faut annuler la recherche en faisant l'introduction. Hein? Non, c'est bon là, c'est la recherche est lancée. Voilà. L'ID en fait c'est beaucoup trop strict si tu veux. Du coup t'es pas très modulaire. Alors moi qui travaille sur des composantes et du design modulaire en général, bah t'en es loin quoi. Ah il y a tellement de Pokémon que j'ai envie d'attraper, juste insane. Like my life. Merci Sundra. Ah c'est bien Sundraco si tu aimes ta vie. T'es en PLS pourquoi? En tout cas, il nous a dit l'important dans ce TP, c'est pas la qualité du code, c'est de ressembler le plus possible au screen. Oh, alors ça, c'est ce qu'on disait. Ouais, ok, d'accord. Faites du CSS moche et comprenez pas ce que vous faites, y a pas de problème. En gros, il va pas se faire chier à corriger le code, il va juste voir ça ressemble ou pas, et puis c'est tout. Du Tintin, à mon avis, les serveurs Nintendo n'ont pas été améliorés en un jeu. Tellement envie d'attraper tous ces Pokémon qui sont là. Ah, c'est bizarre, ça marche aussi. L'échange en cours. Impossible de commencer notre recherche pendant qu'une recherche est en cours. On aurait déjà dû se connecter là, Justinsei, non? Bah ouais, mais genre, s'il y a une solution plus simple ou plus légère, c'est pas grave tant que tu atteins le résultat. D'accord. Ouais, d'accord. Oh non, oui. Ouais, bah écoute, on va laisser tomber pour l'instant. Je pense que le réseau Nintendo veut pas pour ce soir. Moi, il faut que j'avance sur le jeu. Yep là. Mais c'était très gentil comme proposition en tout cas. Ah mais j'ai pas annulé la recherche. Le code de ma classe on galérait donc heureusement on avait fait un Discord pour tricher. Oh là là, mais... Mais what the fuck, c'est pas bien. Non en vrai je peu m'importe. Vous avez le droit de tricher tant que vous comprenez ce que vous faites. Au bout d'une heure. Ah mais t'es une génie du CSS alors. Ok, bon, on continue le jeu. Je suis désolé, Insane. Ça passe pas. Peut-être la prochaine fois. J'ai juste envie d'avancer sur le jeu, là. Pour TubeTube, qui est là-haut. Dommage. Ouais, c'est très gentil de ta part d'avoir voulu me donner un Pokémon gratuit. Bon, écoute. Ils m'ont remercié, ils m'ont fait des câlins, ils m'ont dit qu'on allait me payer un Jap. Ah bah voilà, c'est cool, ça. Ah, ils te connaissent bien alors, what if... Désolé, Justinsane. En tout cas, merci beaucoup pour ta proposition. C'est dommage que ça n'ait pas fonctionné. Mais il faut que y ait avance. N'hésite pas à follow la chaîne, Justinsane, si c'est pas le cas. Parce que je ne me souviens pas de ton pseudo. Si tu follow déjà. Je suis désolé, je l'ai pas vu. Ou j'ai oublié. N'hésite pas à follow pour savoir quand je live pour si jamais je rejoue à Pokémon. Ça sera le cas de toute façon. Quoi? Ah, un rappel il me faut. Avec un. Hein?
Mon prof de maths disait le résultat, si tu l'as pas, je m'en fous, je veux voir ce que tu as réfléchi et comment. Ça n'a rien à voir, mais j'y ai pensé. Bah t'as raison, mais en gros, tandis que c'est exactement ça. Enfin, moi, je ferais pareil. Même pour du code. Surtout pour du code, en fait. C'est pas forcément le résultat qui importe. Enfin, le résultat est important. En fait, le problème, c'est qu'en code, le résultat est aussi important que la façon de le faire. En plus, c'est un 5IV. Ouais, insane. Mais c'est pour ça que je te dis, hésite pas à follow pour qu'on retente une prochaine fois. Comme ça, tu seras notifié quand je passerai live. On code une lister dans les tableaux pour forcer toutes les boîtes mail à lire correctement. Voli valou. Merci what the fuck de m'avoir rappelé ce détail. Les emails. Et alors, non, on code pas toutes les newsletters dans les tableaux, plus maintenant. Enfin, on fait toujours des trucs dégueulasses, mais pas tant dégueulasses que ça. Ça évolue, on va dire. Zut, je l'ai raté. Bref, parlons Pokémon. Ne parlons pas code ce soir. C'est mardi le code, les enfants. Je vais fuir parce que j'ai pas envie de perdre de temps. On va avancer un peu. Oui, mais c'est parce que certaines boîtes mail font du kick. Ouais, oui, oui, bien sûr. Bah, comment ça s'appelle la boîte mail de Windows déjà? Office, non. Outlook, voilà. Outlook, on est obligé de coder en caca. Gmail, on n'est plus obligé. Outlook, on est obligé. C'est horrible. Voyons, qui c'est que j'ai pas là-dedans? On les a tous? Hey, j'ai un vélo! En plus, c'est notre bot mail par défaut au taf. Sérieux? Oh mon dieu. Je cherche un 6IV, donc je les farm. Ah ouais, tu veux un gros? Du coup, t'en as plein. Mais t'inquiète pas, tu pourras me le filer. On réessayera une prochaine fois pour me filer, non? Ça doit bien marcher un de ces quatre. Hein. C'est normal ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Oh! Oh, qu'est-ce qu'il est pas beau! Il a pas l'air content que je lui vole CB, je pense. On restera une prochaine fois, juste insane. Tu seras le bienvenu sur le live en tout cas. Je vous donne tout le reste. Merci, c'est gentil. Oh non, déjà! Oh. Oh, c'est un gros en plus. Rond gris gros. Il est plus aussi mignon qu'avant. Bah attends, on va l'attraper. Et ça fait des bonbons, XP. Ah oui, c'est pour ça que tu les échanges pour les bonbons. C'est vrai, mais t'as raison. C'était pareil sur Let's Go. Mais tu sais, là en février, il va y avoir Pokémon Home qui va sortir. Normalement, tu vas pouvoir faire la blinde d'échange avec ça. Je pense qu'au niveau bonbons, tu vas être servi là. Ça va être cool. Non, on s'en fiche. Ouais, on a plus besoin de faire évoluer l'autre gros. On a l'autre gros. Ah, bah on a quand même ramassé des baies. Super. Allez, on secoue tout ça. On secoue bien les baies. Tu vas faire du Fire Emblem? Je vais tester les persos Fire Emblem qui sont sur Smash Bros. Parce que je vais sûrement prendre l'extension. Vu qu'elle est qu'à 5€, donc je pourrais me la prendre. Mais Fire Emblem, je sais pas. J'ai jamais joué à Fire Emblem en réalité. Moi, j'étais plutôt Advance War à l'époque. Mais ça peut être sympa de faire du Fire Emblem en fait. J'aime bien le tactique, c'est un peu comme dans le même style que Fire Emblem, donc un de ces quatre, pourquoi pas. Mais peut-être que dans ce cas-là, ce serait mieux de commencer par le début de Fire Emblem, genre les premiers opus. Oh, petite Soribou, Advance War, ouais.
Bah, Fire Emblem, c'est le même genre, mais avec un peu de RPG, d'après ce que je connais du jeu. Du coup, ça a l'air cool. Ça me tente un peu. Mais bon, comme je suis pas très RPG, je pourrais enfin mettre mon Zacian sur mon compte bouclier. Ah ouais, avec Pokémon Home, tu veux dire? Ça va être cool, hein. Déjà, là, récemment, j'ai essayé d'échanger des Pokémon entre Pokémon Go et Let's Go, et ça marchait plutôt bien. C'est intéressant comme concept de plus avoir à fouiller partout et de pouvoir compléter des Pokédex en faisant des échanges avec tout ce qu'on a déjà. C'est sympa. Par contre, on peut le faire qu'une fois. Enfin, c'est un échange sans retour. Donc ça, c'est dommage. Mais je pense que ça serait trop facile si c'était des échanges avec retour. Ok. Bon, on a bien fait de troll secouer, on a eu un nouveau Pokémon. Deux nouveaux Pokémon. Très très bonne chose. C'est qui lui? Ah, on l'a pas lui. Oh. J'ai peur qu'il soit trop fort. Ah, mais c'est pas l'évolution de pigeon là? Ah non, ça va. Mais c'est sûrement l'évolution de pigeon. Ah, mais... Attendez. Yeah. Ok. Hop là. Je crois qu'il sort mi-février ou début février le... Fin février. Fin février, je crois, Pokémon Home, ça, je crois que ça sort. Dans mes souvenirs. Allez. Ouais. On remplit le Pokédex. Sur le chemin de la ville, on remplit le Pokédex. Où est-ce qu'on n'est pas allé? Là-bas. Lui, on va pas s'en occuper. Eux, on a déjà. Oh, c'est quoi ça? Un éléphant? Ah, il est bizarre cet éléphant. Hop, full Super Bowl. Allons. Hop. J'ai plus beaucoup de Super Bowl par contre. Voilà. Et on a gagné un éléphant. Charibari. Oh, c'est marrant comme nom. Charibari. C'est dans quoi Charibari ça? Charibari. C'est un mot que j'ai déjà entendu. C'était pas dans... Le Charibari, c'est pas dans... comment ça s'appelle? Mince. Le mec tout vert. Grinch. Non, les Grinch. Nouveau Poké, c'est clairement l'avènement des émissions, etc. pour enfants très jeunes. Ouais, c'est ça. Charibari, c'était dans The Grinch, non? C'était pas le truc des... C'était un pot and click? Ah bon? Je connais pas le pot and click dont tu parles. Oh non, on l'a déjà lui. Moi, je pensais à l'anniversaire où les enfants devenaient grands ou je sais plus quoi. C'est leur Charibari. Charibari, je sais plus. J'aime bien ce jeu, c'est un des... C'est des chats dedans. D'accord. Si tu le retrouves, on peut se le faire. C'est un point and click. On peut se le faire. Ça peut être drôle. Qu'est-ce que je fais? On se le fait là. Tir de précision. Paf. Ça c'est stylé quand même. Ça, l'attaque est stylée.
Et on n'a pas avancé d'un pouce. Allez, on y va. Ok, bon, ici on l'a déjà tout eu quasiment. Oh, il est mignon lui. Qui a un Scutella? Je l'ai pas le Scutella personnellement. On l'a déjà ou pas? Non, on l'a pas. Eh ben, hop. Soupouboule. Soupouboule. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Croquine. Cool. Moi, j'aime attraper des Pokémon parce que ça remplit mon Pokédex. Parce que je suis trop à l'aise avec mes Pokéballs. C'était ça. Ah, attends. Alors, je clique sur rien. Attention. Heureusement que t'es vaudo, t'as le droit de mettre des liens, toi. Charivari. Ah oui, Charivari. Oh, mon dieu, je me souviens de ce chat. Il est noté combien? Y a pas... Ah, il n'y a pas de note. Oh. Nice. Hop. Alors attends, parce que... Ah, il y a plein de trucs à ramasser ici. Ok. Non, 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 non. Ok. Ok. Attention. Par là. Ouf! Je crois qu'on les a tous eus. C'est pas leur évolution, ça? Ah non, si, c'est son évolution. Oui, mais il est l'heure, d'accord. Pardon si vous l'avez entendu. Hop là! Ouah, elle me fonce dessus! Elle court vite, hein! J'ai jamais joué, mais je crois que c'était plus de ta, de ton époque, ce jeu, Charivari, du coup. Parce que moi, j'ai fait Adibou, j'ai fait les Pyjama Sam, la petite voiture, je sais plus comment elle s'appelait. Mais, en point and click. Mais, ah, Mars Match. Charivari, je pense, j'ai jamais joué. J'ai pas connu ça. J'étais déjà trop vieux. Ah là 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 là. Tir de précision, le doigt laser. Sur le chat. Paf. Je l'ai fait aussi du coup, mais... Oui, celui-là, t'y avais pas touché. Ouais, j'y ai pas touché. Hein. Je voudrais finir mon Pokédex au début, mais il y a trois Pokémon qui me manquent. Son nom épée et moi j'ai bouclier. C'est lesquels qu'il n'y a pas dans... Bah, dans bouclier, du coup. Lui je l'ai pas. Début gang. Pam. Si on l'a. Mais je suis fou moi. Bon, si on a tous les Pokémon, on va pouvoir déménager en ville. Hein. Je fais durer un peu l'épisode. Dolman, Bumata, est-ce que t'es là? Ah, c'est pour ça que tu demandes est-ce que t'es là tout à l'heure. Ok. D'accord. J'ai aucun des trois. Je pense que c'est des Pokémon qu'on doit trouver plus vers la fin. Ou si je les ai croisés, je m'en souviens pas. Quoique, si Bumata, je l'ai vu quelque part, mais je l'ai pas. Enfin, je l'ai croisé en combat, quoi. What? Donc à la plage je farm les raids.
Ah, tu penses que tu peux... Non, tu... mais tu peux pas les trouver dans les raids, c'est ça? Ah non, 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 tu viens de me dire que tu pouvais pas les avoir. D'accord, d'où les... Locklass. Ouais, les Locklass, c'est un Pokémon tellement stylé. Non, on a tout. Non, ouais. Marrant ce Pokémon. Je sais pas trop ce que c'est comme type de. C'est un Pokémon robot. C'est Pokémon Transformer. J'imagine que c'est l'évolution du petit là, mais. Fosse des sables. Ah! Oh, lui, je connais. Un Hippopotas. Ah non, je le connais pas. Je l'ai confondu avec le Pokémon chameau. De feu, là. Sable volant d'Hippopotas. D'accord. Niveau 47. Je crois qu'ils sont pas faits pour nous. Oh, on lui a tellement fait mal. Si je rejoins le raid d'une autre personne qui a épée, là oui. Ah, ok. Mais ça, c'est cool. Ouais, du coup, tu peux peut-être trouver quand même, avoir une chance avec le raid de trouver le Pokémon qu'il te faut. Tant mieux, ça, c'est cool qu'ils aient fait ça. Parce que sinon, vraiment, si t'as pas d'amis, et bah, tu peux pas compléter ton Pokédex, c'est nul. Souplesse. Ah oui, souplesse. Souplesse, souplesse. Hop, hop, on va faire ça. Palapalam. J'aimerais bien qu'il évolue lui aussi. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh, Caninos! J'arrive pas à l'avoir. Ah. Enfin, Caninos, il est là. On a croisé un Arcanin tout à l'heure. Chaton, je me suis battu avec ma famille pour regarder ton stream. Kefrenou, tu es là. Faut pas te battre avec ta famille, hein. On t'a prévenu. Mais merci. Ravi de te revoir. Kefren. Yeah! Bon, j'imagine que tu grossis un peu la chose quand même, non? T'as juste demandé l'autorisation en sortant de table, après ta pizza. Oh, tir de précision. Ça m'éclate, tu vois. Cette petite position là. En fait, il est stylé, il commence à avoir un petit côté stylé quand même, notre Léon. Quand il tire avec son petit doigt. En plus, il fait mal. Cool, niveau 33. Ça, c'est bien. On a bien avancé là sur. Il a évolué. Il a évolué, oui, Kefren. T'as raté ça, c'est vrai. Et on a attrapé plein de Pokémon. Et je peux pas les attraper tous ceux-là. Mais je sais qu'il y a les Caninos ici maintenant. Attends, je sais pas quoi faire. Oh. Ok, cool. C'est quoi ce truc? Ah non, on l'a déjà. Non, on l'a pas, il est trop haut niveau. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Ils sont pas bien, je vais devoir. T'es malade en plus? Ah! Il y a tous mes bébés. Attends, on va faire à manger. Hop, on va faire à manger. Et on va avancer vers la ville directement. J'ai l'impression que les Pokémon qui sont sur la suite de cette partie sont trop forts pour nous. Alors, on va faire un... Ah, à la pomme. Béoran. Tu veux un petit peu de mon curry, Kefren nous? Ça te fera peut-être du bien. En tout cas, on pense à toi. Oui. Allez, on cuisine. Une petite pomme. Voilà, un curry à la pomme. Ça doit être trop bon, ça, un curry à la pomme. Faudrait que j'essaye. Allez, le feu. Quand il y a les étoiles, c'est que c'est bien. Ce que je sais. Voilà.
Quand il y a les étoiles, c'est que c'est bien. Y'a que le truc à la fin à chaque fois que je rate. Oui! Oh non! Si, des étoiles, c'est cool. Parfait. Et là, c'est bon, on a la médaille d'or, non? Ah, ils sont tous réagis. Curry aux pommes. Oh, c'est joli. Oh, il est gros. Ah, le Pokémon, il en veut. Ah non, il fait semblant de manger avec sa main. D'accord. Il a une main, il aurait pu prendre une fourchette, une cuillère. Une médaille de bronze. Punaise, ça me tue, ça. Quoi? Non, hein, on s'en va. Peut-être méchant. J'ai pas fait d'aller dans son point. Bon. Ce que je voulais faire, c'est regarder la map. Oh, il y a plein de Pokémon là. Bien, alors, il pleut et on est dans le désert. Selon la map, on est en haut ici, d'accord. J'imagine que de toute façon, si on va dans le coin géant ou plateau de machin et tout ça, là, on va rentrer le même type de Pokémon ultra fort. Donc on va juste faire un tour vite fait pour valider les points. Ou quoi que non, en fait, on va pas y aller. On va juste foncer à la ville. Ce sera très bien. Ah, trio piqueur. Je me demande s'ils sont forts. Ah, il est là, lui. Ce Pokémon-là, il est excellent. Je l'adore. Dans l'anime, il était génial. C'est Vomit, non? Je sais pas du tout. Sanraco, je n'ai pas un mot que j'utilise très souvent. Ça va mieux, Kefrenou? T'es toujours là? Ne nous inquiète pas. Hein. Si t'es malade, va voir tes parents. Hein. On est à la ville. Oh, c'est quoi cette entrée de dragon là? Mais regarde, je suis en train de faire Fire Emblem là. Regarde, on a un gros dragon. Allez. Hop, on y va. Tout puke. Puke, d'accord, voilà, c'est Puke Sandraco. Bonjour, vous participez au défi des arènes, présentez-moi vos badges, je vous prie. Oula. Ou alors, vous avez bien le badge plante, le badge eau, badge feu, parfait. Vous avez déjà vaincu 3 champions en comptant celui de Motorbi. Continue comme ça. Et tu me laisses passer ou pas? Ah non, pas lui. Je crois que c'est une gastro. Comment tu sais, Sandraco? Te voilà, ne te fatigue pas à chercher Nabil. Mais David qui ne reviendra pas, je lui jette pas la pierre, je ferai pareil après une telle humiliation. Il a gagné. Comment peut-il regarder le maître en face maintenant? Je pense qu'il va déclarer forfait. Vous là, admirez un peu ces badges du mot obtenu. Pardon. Challenger Travis, vous posez bien les badges nécessaires. Oh, je suis certain qu'il a volé les badges de Nabil. Et ce n'est pas tout ça, mais j'ai un entretien avec le président, tu m'excuseras. Je suis sûr qu'il a pas réussi à avoir le badge feu et qu'il l'a piqué à Nabil. Hein? Bon, on va rentrer dans cette ville et on ira chasser quand on aura un nouveau badge la prochaine fois. C'est parti. Et c'est là-dessus, dans cette nouvelle ville, que nous allons quitter nos amis de la VOD. Nous sommes arrivés à Kinkenman. Putain, ambiance médiévale dark. C'est très particulier. Punaise, mais à quoi va ressembler l'animé, quoi? Toutes les villes, c'est des châteaux géants bizarres en briques noires ou briques rouges. Voilà, bon, écoutez. Ami YouTube,
nous nous retrouverons dans le prochain épisode, étant donné que nous avons bien avancé. Voilà, nous sommes arrivés à la ville. Le badge sera pour le prochain épisode. Voilà. À dans un épisode. Au revoir.